Coucou, challenge du jour, je suis à Pinky, on va aller également après à Gimo. L'idée c'est quand on rentre, je vous fais un haul. Je veux me trouver idéalement des robes longues, c'est ce que je mets le plus l'été et peut-être deux, trois autres petites choses. Donc c'est parti. Eric m'a sélectionné plusieurs modèles, celui-ci, celui-ci, ça c'est aussi lui. Bon bah j'ai trouvé des trucs que je vais vous montrer tout de suite. Je sors de la douche, on s'est pris une suée chez Kiabi. D'ailleurs on est allé que chez Kiabi. La collection, la nouvelle collection là, été est dingue. J'ai trouvé tout ce que je voulais, même plus. Je vais vous montrer, je vais tout essayer avec vous. On a de la combinaison de pantalon. En général, je trouve que ça me va pas. Donc là, je suis très contente. On a du pantalon, on a de la jupe longue, on a du t-shirt, on a de la robe longue. Évidemment, j'ai très chaud. Très, très chaud. Il est là, le gros sac. Il y a deux choses, Eric. Je vais tout sortir, ça va être plus simple. Je commence par la combinaison de pantalon. Eric m'a dit que lui, c'était son coup de cœur. J'ai pris taille S, je croyais que c'était une robe au début, hein. Donc elle est comme ça, les petites manches courtes un petit peu bouffantes, et puis pantalon. Alors je n'ai pas, c'est la matière, comment ça s'appelle, un peu gaufrée, je ne sais plus ce que c'est, mais je n'ai pas de frein avec cette matière, qui est plutôt agréable, hein. Enfin, en tout cas le peu où je l'ai essayé. Je vais vous montrer ça. L'idée c'est que vous puissiez me voir évidemment de plein pied. Bon, je vais aviser. J'allais oublier le prix, 18 euros, sachant que j'ai des articles à moins 20%. Voilà, si je me mets comme ça, ça va le faire. Combinaison pantalon que j'ai mis avec mes babies. Ça tombe comme ça. On a une fermeture éclair qui va de là jusque là, donc pour enfiler c'est quand même pratique. Hyper confortable. Je pense que je la porterai avec une ceinture, donc on peut également forcément faire comme ça si on veut. J'ai pas de recul. Après, ça va marquer, ça peut marquer le ventre. Ouais, ça fait un peu années 80 avec la ceinture. On passe à une robe longue. Celle-ci, alors, elle existait d'ailleurs, je l'ai essayée en kaki. Le problème, c'est que le kaki, sur moi, je trouve que ça fait terne, ça ne me va pas. Et j'ai demandé, va voir s'il n'y a pas une couleur un petit peu plus gaie, plus sympa. Donc on est sur un framboise. Et ça le fait. Alors par contre, c'est un décolleté très 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 plongeant devant et derrière. Ce qui fait qu'il va falloir que je porte soit un petit top ou de la dentelle, enfin un truc un peu plus haut. Mais le modèle est comme ça. C'est un petit, je crois que ça s'appelle col empire, non? Vous voyez, c'est comme ça. Ici c'est smoke, donc c'est resserré. Quand je dis smoke, c'est resserré à la taille. Toujours taille S, 20 euros. 20 euros et elle est longue, je vous montre. J'ai beaucoup trop chaud. Donc, voilà le modèle framboise. Alors, c'est vraiment là qu'interviennent normalement les sautoirs. Pour habiller, quand je vous dis qu'il est hyper décolleté, il faut couper avec quelque chose là. Ou bien peut-être, tu peux mettre un maillot de bain, Marc, ça peut être sympa. La couleur est sympa, moi j'aime bien. Ça me met un petit peu plus de peps. L'autre, vraiment, c'était terne. Je pense que ça va bien sur les peaux un peu plus mates et brunes, je pense. La robe, hyper agréable, vraiment. C'est joli, hein. J'ai juste mis un bandeau. Alors attends, hop. Vous avez vu comme elle est belle cette collection entre le pantalon, ça. D'ailleurs, en parlant de pantalon, il... ah oui. Ce pantalon avec des gros poids. Je vois que j'ai plus de batterie. Je vais être obligée de couper. Je reviens. Je disais donc le pantalon noir avec des gros poids blancs qui est pareil. Alors devant c'est comme ça et derrière c'est élastique. Il coûte 18 euros et il me semble qu'il y avait un prix sur celui-ci. Il me semble. Et je vais l'essayer soit avec, peut-être, ce haut également que j'ai eu. C'est un basique. Il m'a l'air un peu transparent quand même. 10 euros, taille S. Ouais, ah oui, celui-ci, il était en promo effectivement, donc il était à moins 25. Ou bien. Le distributeur de croquettes. Oui, 16h. Voilà, donc je vais essayer avec ça. Là, c'est le débardeur. J'ai tiré l'un des deux rideaux parce que j'ai peur qu'on me voit en contre-jour, ça serait embêtant. Transparent, c'est pas gênant. Si tu mets un petit maillot de bain, mais j'adore la coupe comme ça. C'est super joli de mettre les épaules en avant. Donc je vais mettre un pantalon parce que là, je suis un petit peu hop, comme ça. Alors, je suis absolument pas habituée. En général, je n'aime pas ce genre de pantalon sur moi parce que ça m'élargit au niveau des hanches. Mais il y a des étiquettes partout. Du coup, ça rajoute de la masse. J'aurais dû retirer tout d'abord.
Bon, c'est pas grave. Alors, je vous montre le pantalon. C'est élégant, hein. Par contre, alors laisse tomber le soutif. C'est assez chic, hein, quand même. Hein. Bon, j'aime bien. C'est pas du tout mon habitude. Hein. Je vais baisser ça pour qu'on voit un petit peu mieux. Ah, coucou mon Jackie. Voilà, comme ça. Là, on va mieux voir. Je vais garder ce pantalon parce que j'ai des petits t-shirts. Ça ira pas forcément avec. Débardeur basique, c'est pas droit. Attends. Débardeur rayé, enfin marin. Voilà, je ne l'ai pas essayé. Taille S, 4,50€. Et pareil, le même en noir, taille S, 4€. Ah d'accord. 4,50€ et 4€. Et j'ai également pris ce petit t-shirt rouge. Je crois que c'était chez les enfants. Enfin, j'ai pris taille M. California, 94, mon année de naissance, évidemment. Voilà, donc j'essaie tout ça avec le pantalon. Bon, ouais, bof. Je suis pas ultra... Je le mettrais, quoi, mais je m'attendais à autre chose. Vous avez vu, dès qu'on met des rayures comme ça, ça fait un effet bizarre. Évidemment, pas avec le pantalon, mais... Bon, si, ça passe. Mais je m'attendais à autre chose. Le rendu. Le noir. Ok. Toujours taille S. Bon, ça va me servir, hein, c'est clair. Franchement, c'est hyper pratique. Hop, hop, tiens, bon, avec ça, ça passe. Hein, avec le petit pantalon. Ouais. Oui. Ok. Donc j'y suis ça. Bon. Je crois que ça se voit que c'est des coupes enfants au niveau de ça. J'ai l'impression. Bon, pareil, j'aime bien. Genre de truc que je vais mettre, je pense, avec une petite veste en jean par-dessus, ça peut être très chouette. Alors bon, ça passe. C'était taille M, vous voyez, donc il est quand même juste et c'est du M. Donc oui, je pense que c'est ça. Et j'ai également, qu'est-ce que j'ai trouvé? Une jupe longue, effet soie au niveau de la texture. Un joli bleu à poids. Non, j'allais dire j'ai mis beaucoup de poids, mais non, en fait, j'ai que le pantalon et ça. Ouais, ça va être chelou avec ce t-shirt. Je fais un test. Je vous ai pas donné le prix. Donc, j'ai pris 38 la taille, 20€ la jupe. Et je crois que je vous ai pas donné. C'était 6€ ça. Ouais, 6€ le t-shirt rouge. Qu'est-ce qui fait chaud. Donc, j'ai voulu mettre avec ça. Je pense que c'est ce qui s'accorde le mieux. La jupe longue, regardez. Elle est, alors, vraiment très, 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 très confortable. Très douce. J'aime beaucoup cette tenue. Ah oui. Vous avez vu le brillant du satin? Waouh. Franchement, foncé. Hein. Il y a pas mal de tailles hein, disponibles. Et puis vraiment, elle est très longue. Hein. Voilà. De dos, ce que ça donne. Ensuite, ah, j'ai même pas vu Eric, lui, il s'est pris un petit polo comme ça. XL. Et il a pris sa petite sœur, version col blanc, avec le liseré. C'est joli. Ouais, c'est joli. On peut aller faire un tennis. 12€ et j'imagine bien 12€. Je fais un petit check et donc remise 6€, 4€. Oh, j'ai payé une remise de fou, hein. 115€ l'ensemble au lieu de 121. Ouais, c'est pas ouf. J'avais deux articles en fait qui sont passés à 20%. Mais sélection, super sélection. Je suis vraiment contente. Il y avait plein de choses. Si vous avez le temps, vraiment, allez voir chez Kiabi leur nouvelle collection. C'est très sympa. Et vraiment, celle-ci, la robe, la framboise kaki, elle est très jolie aussi. Seulement moi, bon, c'est que ça ne m'allait pas, je trouve, au teint. Donc voilà pour cette vidéo haul vêtements. Là, je crois que je suis bien, je suis pas mal pour cet été. Je suis pas mal du tout. Je vous fais un gros bisou. On se retrouve dimanche. Ne loupez pas le vlog. Je vous fais un gros bisou. Ciao.